Salut à tous les amis, c'est Ghost. Allez, on va voir ce qui reste le dernier jour des soldes chez Carrefour. Donc des petites pop à 5 €, un petit Rayman sur Switch à 10 €. Ouais, bon, apparemment c'est un code de téléchargement, donc ça vaut pas le coup. Et moi, ça m'intéresse pas du moins. Un petit panel arcade pour mettre sa Switch Resident Evil, 5 €. Bon, il reste plus grand chose, et vous le voyez, les amis, franchement. Pas mal de Blu-ray encore à 5 €. Des housses en silicone pour protéger les DualShock 4 PS4. Couleur de l'équipe de France. Non, bon, voilà, je m'en doutais. Il reste plus grand chose. Quelques petits jeux à 19,95 € sur Switch. Ah, là il y a du jeu vidéo par contre, PS4, Xbox One. Du coup, il y a du Switch aussi. Bon, du surjeu 2 à 10 € sur One. Celui-là, il était moins cher chez Cultura, il était à moins 70%. Un petit jeu sur Switch, un petit RPG, je crois. Ah, le Bloodstained, par contre, 10 €. Ça vaut le coup sur Switch. Super jeu, Castlevania like. C'est le Metroidvania qui est vraiment très sympa, le Bloodstained. Pour 10 €, franchement, il vaut vraiment le coup celui-là. Ça, je connais pas. Du Zombie Army, un petit FIFA 20 à 5 €. Le Jedi Fallen Order, 30 €. Bon, on peut le trouver moins cher. Ouais, il y a beaucoup de surjeux 2, c'est pareil, on peut le trouver moins cher. Desperado 3. Petit RPG 25 €, celui-là je le connais pas, RPG Mania. Un jeu VR à 12 €, PS4. Ouais, non, le Rayman, c'est un code de téléchargement. Ah, un petit Sonic Team Racing à 19 €, c'est pas trop mal ça. Bon, moi je l'ai sur Switch personnellement. Sur jeu 2, toujours. Du Destiny 2. Du jeu PC, du Farming Simulator à 5 €. Ah non, le surjeu 2, franchement, on pouvait le trouver quand même bien moins cher. Chez Cultura, il est à moins 70%. On a encore du Blu-ray, pas mal de Blu-ray à 5 €. Du Rampage. Tomb Raider. Bon, franchement, vous le voyez, le dernier jour des soldes, franchement, chez Carrefour, il reste quasiment plus rien. Voilà, je voulais faire un petit peu le test. On a des Q-Fig Harry Potter pour 7 €. Des paillassons Marvel. C'est pour Spider-Man à 5 €. De la peluche Hello Kitty à 10 €. Les petits lamas de Fortnite. La petite borne pour mettre sa Switch Resident Evil à 5 €. Ouais, le Rayman, je me tâte de le prendre peut-être pour un pote. Mais bon, c'est un code téléchargement, donc je vais voir quand même. Alors ils mettent 19,95 €, mais c'est pas tous les jeux qui sont à 19,95 €. Le Vampire par contre, celui-là vous voyez, il n'est pas à 19,95 €. Le Siberia 3 non plus, tout est un petit peu mélangé. Le Lego Marvel non plus. Le MX non plus. Ouais, non. Là tout est un petit peu mélangé dans le bac prix choc. Ouais. Le Kingdom Hearts musical n'est pas à 19,95 € non plus. Bon voilà, hein, tout est un petit peu mélangé franchement. On va voir un petit peu en rayon si on a des jeux qui sont étiquetés, soldés, mais ça m'étonnerait. Deadly Premonition à 20 €, c'est pas mal ça sur Switch. Le Hades 34 €. Petit Captain Tsubasa, il est encore cher sur Switch, 45 €. Le Alex Kidd DX, le nouveau. Bon, vous le voyez, après c'est pas des. On n'a pas de solde dans les rayons.
Non, franchement, rien de fou sur Switch. Les pop, c'est pareil. Je ne vois aucune étiquette de solde de ce qu'il y a mis, de tout ce qui est en rayon. Sur Xbox One, c'est pareil. Cyberpunk à 39. Le Call of à 55. Bon, non, y a, franchement, il n'y a pas de prix. Le Werewolf, 49€, il est assez cher. Sur PS4, non, non, c'est à peu près pareil. Hein. 25€ le Avenger. Ah, le bundle Mafia Trilogy, 25€, par contre, c'est un bon prix. J'avais payé bien plus cher que ça à sa sortie. Ouais, non, après. Ah, par contre, ça, ça vaut le coup, ça. SnowRunner, qui est sorti il n'y a pas longtemps pour 12€ sur PS4. Ça, c'est un très bon tarif. C'est un jeu qui est pas mal. Si on aime la simulation, franchement, SnowRunner, c'est super. Moi, j'ai le Mud Runner sur... sur PC. Le SnowRunner, moi je me le prendrais plutôt sur PC quand même. Il faut avoir une bonne machine, pas trop envie que ça rame sur PS4. Et c'est un très bon tarif pour 12€. Bon, écoutez les amis, voilà, on a fait un petit peu le tour. Bon, non, sur One, franchement, il n'y a pas grand chose. Watch Dog Legion est encore cher. Le Crash Bandicoot 4 à 69€, alors qu'il était à 39 à chez Auchan, soldé. Non. Le Alex Kidd est à 29, le nouveau Alex Kidd DX. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Dernier jour des soldes à Carrefour. Vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose. Allez, ciao, ciao tout le monde.